ערב טוב ומבורך, ברשות מורי ורבותיי, ברוכים הבאים. תודה רבה, עשיתי למצוות. סוסוח, בעזרת השם יתברך, ז'ארי ויסי, רבי ישי מרפל, כסת סמל, סי להירולה דה בבסל יעלה בשלום, רבי ישראל אבו חצירה. Je me suis rappelé d'une histoire, et ensuite, ça m'a fait quelque chose de bizarre. Je vais raconter l'histoire et je vais raconter la suite. L'histoire, elle est, le Baba Sali Alav Shalom, une fois il a dit à son chauffeur, il avait des chiourim dans toutes sortes d'endroits, et une fois il a demandé à son chauffeur qui était dans la route, sur la route d'un endroit à un autre, il lui a demandé de changer le chemin. Il a dit ici, tourne sur cette route, vers cette route, etc. Il est dans un endroit qui n'était pas vraiment des routes, c'était mal éclairé, c'était mal entretenu. Il lui dit, viens, tourne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Le chauffeur, il ne comprenait rien, jamais le Baba Salé lui a donné, ce n'était pas un GPS ni un Waze. Et là, le Baba Salé, il sait exactement où il veut aller, à droite, à gauche, à droite, à gauche, jusqu'à qu'ils arrivent. En Israël, tu vas à droite, à gauche, tu arrives où? Tu arrives dans un village arabe. Et le Baba Salé, il est arrivé dans un village arabe. Et il rentre dans le village et il demande, vous êtes sûr? Oui, oui, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ils arrivent, bien sûr, dans un chouk, un marché. Il lui dit, arrête la voiture, il descend, il rentre dans le marché comme si... Comme s'il habitait dans ce coin, comme s'il connaissait le marché, comme s'il y allait tous les dimanches. Ils arrivent à un vendeur de fruits et il lui demande une pastèque. Le vendeur lève une pastèque, il dit non, pas celle-là s'il te plaît, la deuxième qui est à droite. Il lui donne la pastèque, Baba Salé il lui demande de couper un morceau. Un morceau, il fait la bracha, il la mange, il fait brûler fachot, il s'en va. Chauffeur, très très étonné. On sait que les Arabes, ils ont des bons fruits, mais pas à ce point-là. On parle du Baba Salé qui faisait des jeûnes, Taniot Afsaka. Qu'est-ce que Taniot Afsaka? De Motsaï Shabbat, Avdala, jusqu'à Kiddush, qui suit dans la semaine d'après, il était en jeûne d'affilée, Tanit. Tanit Afsaka. Et même Shabbat, il mangeait juste la mitzvah sur Kazaït chaque Seouda, dans les trois Seoudot. Et là, il avait besoin d'un petit morceau de pastèque. Il lui a dit, le Baba Salé, il dit, sache qu'il m'est venu en rêve la nuit d'avant, une neshama, qui avait besoin de faire un tikkun. Et il m'a dit, j'ai été mégoulgal dans une pastèque, dans cet endroit-là précis. Et j'ai besoin que le tzaddik fasse une bracha sur moi afin que j'arrive à faire le tikkun sur ce monde. C'est pour ça que je suis allé. Dans les aliments, il y a des neshamot megulgalot. Et pourquoi ça m'a fait un peu bizarre? Parce que hier soir, j'étais en train de préparer un shiur. Et ensuite, ma femme me donne une autre idée de shiur. Donc j'ai changé le shiur. Mais les deux sujets, c'était dans halakhot brachot sur des fruits. Dans l'achot brachot, dans les aliments. Vous savez que la Gemara, elle dit dans la Gemara brachot, dans la page 35, elle dit, il y a deux psukim qui se contredisent. Un pasuk qui dit, Hashamayim shamayim lashem, veha'aretz natan livne adam. On l'a lu ce matin dans le Hallel. Le ciel appartient à Kadosh Baruch Hu, et la terre, il a donné aux hommes. Qu'est-ce qu'on voit? Que c'est à qui la terre? Aux hommes. Parce que ça a été donné aux hommes. Et dans un autre verset, dans un autre passage qui est marqué, qui lit kol haaretz. Kadosh Baruch Hu, il dit, toute la terre est à moi. Je comprends pas. On a une règle. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Vous connaissez tous. On a tous appris ça. Kadosh Baruch Hu nous a donné. Alors, Natan ibn Adam, ou c'est à toi? Elle répond la Gemara. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Kan lifnei berakha, ve kan la'achar berakha. Il y a une différence, si sur un aliment tu fais la bracha ou tu ne fais pas la bracha. Si tu as fait la bracha, Kadosh Baruch Hu te le donne, tu as payé, tu as fait la bracha. Mais si tu ne fais pas la bracha, alors ça appartient à Kadosh Baruch Hu, veut dire en fait, que celui qui mange sans bracha, c'est un voleur. Il prend quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui est kadosh. La Gemara elle dit plus que voler, elle dit me'ila.
C'est quoi Meïla? Quand des choses au Beth Amikdash, des choses qui sont kadosh, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Meïla, ça veut dire baisser le niveau, la dimension sainte de la chose. Ça, c'est l'importance de faire les brachot. Et Alpi à Kabbalah, on sait quel point c'est important de faire les brachot Bekavana, faire les brachot avec. Mettre sa pensée et sa concentration dans les brachot, parce que non seulement qu'on demande la permission à Kadosh Baruch Hu de manger, mais aussi c'est la manière où on se connecte avec ce monde-là, le Olam Hazeh. Quelqu'un qui mange, il se connecte avec ce Olam Hazeh, mais quand il le fait, Bekidusha, alors ça a une plus grande dimension même que les Malachim. Et donc quand on voit cette force-là des brachot, on comprend pourquoi un fruit qui a une Neshama Megulgelet, avec une bracha dans le tzadik seulement, qu'est-ce que ça fait une bracha? Qu'est-ce que c'est une bracha? C'est deux secondes. Mais on comprend la profondeur et la puissance qu'il y a dans les brachot, comment on peut délivrer une neshama. Alors, il y a raison que Zchutot agen alenu le Zchut du Tzadik, et que Bezrat Hashem, on apprenne de ces midot, de ces anhagot, de ces tzidkut, que nous aussi, Bezrat Hashem, on soit en Ved Hashem, comme il le faisait. Ved Hashem, miyuchad bemino. On voit les photos maigres, vraiment déconnecté de ce monde, mais en même temps il aidait des juifs, des centaines, des milliers, je ne sais pas vous dire, mais Adam Gadol Meod, surtout Tagen Alelu Bezrat Hashem. Donc on va commencer le shiur. La question elle est, on peut le faire à la mémoire de Leilu Nishmat Reina Soltana Danan Sheye Leilu Nishmat. La question elle est, ce soir on va discuter surtout Shabbat, mais aussi en semaine, quand on mange un bon repas, à la fin il y a un dessert. Alors si on le mérite, on le mérite pas. Et si on était gentil, alors on nous sert un dessert. Alors, chez les Français, ça peut être, je ne sais pas, Paris-Brest, des macarons, tout ce que vous connaissez, quoi, tout ce qu'on connaît. La question, elle est, est-ce qu'il faut faire la bracha sur le dessert? Est-ce qu'on a le droit de le manger avant Birkat Hamazon? Est-ce qu'on a le droit de le manger après Birkat Hamazon? Est-ce qu'il y a une différence entre du mézonot et des fruits, et du thé, et du shéakol? Est-ce qu'on fait bracha rishona et bracha haona, seulement bracha rishona et pas bracha haona? Comment ça marche avec le dessert? Pourquoi? Quelle est la problématique du dessert? Le dessert, en hébreu, il s'appelle kinouach. Qu'est-ce que c'est kinouach? Quelqu'un qui a sali sa maison et il va la nettoyer, on va appeler ça qu'il est mekaneach et habayit. Quelqu'un qui a le nez sale et il va se moucher, on va appeler ça au mekaneach et ta'af. Alors qu'est-ce que c'est kinouach? Le dessert. Baruch haba, erev tov. Kinouach veut dire rincer, veut dire nettoyer. Quand on a un repas lourd, avec toutes sortes d'épices, du sel, du piment, du sucre, tout ce quoi que ce soit, on a un goût après qui reste fort dans la bouche. Et là, il y a une invention très spéciale qui s'appelle quinoir. C'est quoi quinoir? Rincer tout le goût et toutes les graisses que la nourriture nous a laissées. On va manger un petit truc sucré, un petit éclair au chocolat ou un petit Paris-Brest. Baruch haba. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai passé le goût, j'ai passé le... Et je suis rassasié en même temps, et non plus, j'ai pas le goût qui reste dans la bouche. C'est pour ça que quinoir, un dessert en hébreu s'appelle quinoir, parce que c'est rincer tout ce qui reste, c'est rincer le mauvais goût qui reste. Maintenant, pourquoi le dessert serait différent de la seouda? A priori, quand on fait amotzi lechemina aretz au début de la seouda, au début d'un repas, alors on n'a pas besoin de refaire sur les salades. Boré Periadama, sur la viande chacon, Yabit Varo, sur le poisson. Pourquoi? Parce qu'on comprend que tout fait partie de la Seouda, tout fait partie du repas. Mais le dessert, son but n'est pas pour le repas. Qu'est-ce qui veut dire repas? Repas veut dire
je me suis assis pour m'installer pour afin d'être rassasié. Après, je ferai Birkat Amazon, ve achalta ve savarta. Je vais être rassasié. Or là, j'étais rassasié après la viande, après les salades. Pourquoi j'ai pris ce dessert? Seulement pour rincer et pour enlever le goût, pour rester sur un bon goût, rester sur un goût de chocolat ou un goût de sucre ou d'autres choses, ou de fruits. Alors donc, le quinoir, le dessert, il n'a rien à voir avec la seouda. Son but, c'est pas de rassasier la personne, mais de faire passer la seouda. Donc, a priori, le dessert ne peut pas, on ne peut pas s'acquitter avec la motzile cheminaret du début de la seouda pour le dessert. Il faudrait faire des brachot individuelles pour chaque dessert. Si c'est maisonote, alors on fera maisonote. Si c'est des fruits, on fera boré périaet. Si c'est du thé, on fera shéakot. A priori. Pourquoi? Parce que c'est dvarim shem lo machamat à seouda. C'est des choses qui ne viennent pas par rapport à la seouda. Ou bien on va dire non. Pourquoi est-ce que j'aurais mangé ce dessert si j'avais pas fait tout ce repas? Pourquoi je mange le dessert? Suite à ce repas. Donc ça fait partie du repas. Donc on voit que la question est là de côté. Est-ce qu'on fait la bracha sur le dessert? On fait pas la bracha sur le dessert. Est-ce que ça serait mieux peut-être de le faire passer après Birkat Hamazon? On verra tout dans la sugya de Tosha. Elle dit la Gemara dans ma Masechet Brachot, dans la page 41. Une machloquette dans les Chachamim, dans les Amoraim. Itmar. Eviu lifnehem te'enim ve'anavim. Le serveur, il présente devant, dans le repas, devant les, ceux qui sont attablés, te'enim ve'anavim. Des raisins et des figues. Betor ha-seouda. Et on est au milieu du repas, on n'a pas fait encore Birkat Hamazon. Amar Rav Huna, teunim bracha lifnehem, ve'en teunim bracha la'achareihem. Vechen amar Rav Nachman, teunim bracha lifnehem, ve'en teunim bracha la'achareihem. Rav Huna et Rav Nachman suivent un seul avis. De quoi? Que si on donne des fruits, on ramène des fruits pendant le repas à table, on va faire la bracha de Boré Péré à Etz, mais on ne va pas faire la bracha Harona de à la Perote, de Me'en Chalosh. La première, oui, et la deuxième, non. Ça, c'est Rav Huna et Rav Nachman. Amar Rav Sheshat, il n'est pas d'accord. Il dit, Teonim bracha ben lifnehem, ben l'acharehem. On n'a pas fait encore Birkat Hamazon. Tu vas faire Boré Péré à Etz. Après, tu vas faire Al-Aetz et Al-Peri-Aetz, ou bien Boré Nefashot, on ne sait pas les Shivat Aminim. Et après, tu vas faire Birkat Hamazon. Comme ça, il dit Rav Sheshet. Comment on peut expliquer cette machloquette? Pourquoi l'un il dit comme ça et l'autre il dit comme ça? Vous avez une svara à me dire? Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Shehakol Nehiya Bidvaro. On est Betoch HaSeouda. Avant et après? C'est pas cachou avec la Seouda. Tu dis c'est pas cachou avec la Seouda. Et puisque ça n'a rien à voir avec la Seouda, pourquoi il mange ses fruits? Simplement peut-être pour un petit peu se reposer. Vous connaissez, il y a des restaurants non. Où y a, on mange la viande et après il y a une petite salade. Mais on arrive à quoi cette petite salade? On devrait manger plein de salades avant. Non, une petite salade pour faire passer la viande. Après on peut continuer à une autre sorte de viande. Ça veut dire que ça vient, hein? Les quinoirs, quinoirs. Puisque quinoir, c'est rincé, donc ce n'est pas forcément la fin du repas. Quand on dit dessert, on parle de ce qu'on donne des petits... à la fin du repas, mais quinoir, ça peut être au milieu. Alors tu dis que la svara de Rav Sheshet qui dit qu'il faut faire bracha avant et après, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le repas. C'est quelque chose qui vient simplement rincer la bouche. Pour ça qu'il mange un petit peu de fruits, un petit peu de dattes, un petit peu de... etc. Donc il y a bracha l'effet d'amacharek. Donc maintenant, Rav Huna et Rav Nachman. Ravuna Ravnachman, il dit la première oui et la deuxième non. Daniel. Alors venons, on essaie de dire comme ça. Il y a une différence entre la bracha de Motzil Lechamina Aretz qu'on fait au début de la Seouda et la Birkat Hamazon. À Motzil Lechamina Aretz, quand on fait une bracha, on fait une bracha sur le pain. Sur le Lechem. À Motzil Lechamina Aretz, on parle du pain. Quand on fait Birkat Hamazon,
On parle de la nourriture. Birkat Hamazon. Hakel Hazan Otan. Il nous nourrit. C'est-à-dire que la bracha du début, elle fait référence qu'au pain. Mais la bracha de la fin, Birkat Hamazon, elle fait référence à tout ce qui nourrit. Donc peut-être que la svara de Ravuna et Rav Nachman. Première bracha, tu dois faire. Pourquoi? Parce que sur quoi ça fait? Sur le pain. Ça, c'est du pain? Non. Alors donc, tu fais ça, tu dois faire bracha Rishona. Mais bracha Rona, ça va être quelque chose qui t'a nourri. Est-ce que ça t'a nourri? Oui. Donc tu fais Birkat Hamazon. Je ne vais pas chez la Côte sur les Lombes. Alors selon ça, chez la Torah que j'attendais, si on dit que Amotil Lechemina était seulement sur du pain, et donc ça n'inclut pas le fruit, les fruits qui viennent dans le repas, alors aussi tout ce qui se passe, les salades, le poisson, la viande, il faut faire parce que ce n'est pas du pain. La réponse, elle est que quelqu'un qui vient et qui fait Amotil Lechemina Aretz, pourquoi il mange du pain? Pour se rassasier. Mais non, il ne va pas manger du pain sec. C'est pas bon. C'est pas un kiff. Celui qui est vraiment tzaddik, qui étudie ma sechet avot, alors il y a marqué Pat bamelach tocha. Tu prends justement du pain. Mais c'est fade. Alors tu mets un peu de melach. Mais aujourd'hui, on a le sel ne suffit pas que le pain reste fade. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger des salades, de la viande, manger du poisson. Donc les choses qui viennent en rapport avec le pain, c'est-à-dire, on appelle ça kviout seuda, tout ce qui fait partie de la seuda, ça sera inclus dans la motzeh lechemina aretz. Mais les fruits qui viennent simplement pour un autre but, ils viennent pas pour me rassasier avec le pain, ils viennent pour rincer un petit peu les goûts. Et donc dans ce cas-là, il va falloir faire la bracha avant. Donc on comprend mieux la svara. Pourquoi il faut faire la bracha avant? Mais la bracha d'après, ils disent Ravuna et Ravuna Achmad. Birkat Hamazon, c'est surtout. Maintenant, Rav Shechet, qu'est-ce qu'il pense de Birkat Hamazon? Pourquoi Birkat Hamazon va pas inclure les fruits? A priori, il pense que Birkat Hamazon, c'est comme Birkat Hamotzi Lechemina Aretz. Sur quoi c'est Birkat Hamazon? Sur le repas qui a été en rapport avec le pain. Ce qui vient, qui n'est pas en rapport avec le pain, hein, on fait Birkat Hamazon. A priori, c'est ça la machloket. C'est ça les deux tzedadim. Comme qui est la halakha. A priori, déjà, ce qu'on voit, c'est que quand on ramène des fruits à la fin du repas, les coulés alma, bracha rechona, ils vont faire. Bon, repérez, ils vont faire. Parce que c'est pas inclus dans Motzi Lechemina Aretz. Motzi Lechemina Aretz, c'est le pain et tout ce qui vient avec le pain pour rassasier. Tout ce qui n'est pas pour rassasier, ça n'a rien à voir. Bracha rechona, il y a une machloket. Est-ce que Birkat Hamazon, c'est seulement sur le pain et ce qui vient rassasier la personne, la seruda, l'yot so'ed et libo? Ou bien, on va dire non, c'est sur tout ce qui nourrit. Comme qui est la halakha? La Gemara, elle dit avant qu'on donne à halakha une troisième opinion. Ou pliga de Rabbi Chia, c'était un Tana. C'était encore avant Ravuna, Rav Nachman et Rav Shechet. Et le Talmidé Rabbeinu Yona, un des Rishonim, il dit, je comprends pas, comment des Amoraïm, ils peuvent être cholèques sur un Tana? Les Maasé, Rabbi Chia, c'était pas un Tana. Rabbi Chia, on dit dans la Gemara qu'il a une force de Tana. Rabbi Chia, Tana ou Pali. Parce que Rabbi Chia, il était à la frontière entre la période des Tanaïm et la période des Amoraïm. Rabbi Chia et Rabbi Shaya, les deux, ils ramenaient des Mishnayot. C'est-à-dire qu'ils étaient chaunés des Mishnayot. Ils étaient vraiment à la frontière. Il y a certains Rabbanim, ils sont à la frontière. Ils ont une force de Tana, mais d'un autre côté, c'est des Amoraïm. Donc, la remarque de Talmidei Rabbeinu Yona, elle doit être encore approfondie. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est un Tana. Il faut savoir, est-ce que vraiment c'est un Tana? Mais il vient être Miyachev. Même si tu dis que c'est un Tana, pourquoi ils sont cholèques? Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? Rabbi Chia, il dit Pat poter et kol mine ma'achal Veyayin poter kol mine mashki. Selon Rabbi Chia, on fait ni bracha rishona, ni bracha achaona. C'est-à-dire qu'on a trois opinions. On a Ravuna et Rav Nachman, qu'on fait la première Boré Péri à Etz, mais pas à la Etz et Boré Nefashot. On a Rav Shechet qui dit au début et à la fin. Et on a Rabbi Chia qui dit ni au début ni à la fin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Birkat Hamazon, tout ce qui nourrit. Donc les fruits sont inclus. Mais à Motzi Lechem Inare, tu dis Lechem. Il dit la bracha sur le pat, poter kol mine ma'achal. Il dit comme quoi? Quand je fais de la bracha sur du vin, je dis bourré péri à gefe. Et je bois du vin. Après, on me ramène un verre d'eau. Je dois faire chez Akol?
Non. Le vin, poter kol mine mashkin. Il dit de la même manière que le vin, il est poter kol mine mashkin. Parce que le vin, c'est la boisson la plus importante de toutes parmi les boissons. Alors, pat, poter kol mine mashkin. C'est vrai que le raisin et les dattes, la bracha c'est pour Eperet. Mais si j'ai fait à moitié de chamina aretz et j'ai mangé du pain, alors c'est poter kol mine mashkin. Ça inclut toutes les sortes, même si ça n'a rien à voir avec le pain, même si ça n'a rien à voir avec être assasié. Ça pour Abiria, c'est même si c'était pas au début du repas. Même si c'est à la fin du repas. Ou Bemsa ou à la fin. Je viens, je fais, puisque j'ai fait Amotzi Lechamina Aretz. Et Amotzi Lechamina Aretz, c'est comme Boré Péré à Geffen. De la même manière que Boré Péré, tu te poses pas la question, tu dis quand tu bois de l'eau, c'est inclus par le Boré Péré à Geffen. Même si c'est pas la bracha qui correspond à l'eau. Même si c'est pas la bracha qui correspond à la soupe. La soupe, ça va être Boré Péré à Dama peut-être. Non, mais jamais. Le vin, il inclut. Alors là aussi, le pain va inclure toutes sortes de nourriture. Il y a un problème pour oublier ça. Alors donc, on a trois svarot. Regardez comment c'est intéressant de voir que chacun interprète la bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz et la bracha Birkat Hamazon autrement. Est-ce que c'est seulement sur du pain? Est-ce que c'est sur tout ce qui vient avec le pain? Ou est-ce que la bracha du pain est valable pour d'autres aliments? D'abord, Ma'anien, comment elle est la halakha? Amar Rav Papa Ilcheta. Rav Papa, il vient trancher. On a trois chitot, il faut trancher. Amar Rav Papa Ilcheta. Dvarim Abaim Achamat HaSeuda Betoch HaSeuda. Des choses qui viennent dans la Seuda, Machamat, c'est-à-dire pour rassasier la personne. Alors, Ma'adin. En Teonim Bracha, Lo Lifnehem Velo Lacharem. Les salades, la viande, le poisson, tout ça vient afin de rassasier la personne. Tu fais ni bracha rishona, ni bracha charona. Shelo machamat haseuda betoch haseuda. Des choses qui ne sont pas pour rassasier la personne, mais ils sont dans le repas, comme des desserts, des fruits, des gâteaux. Ça vient dans la seuda, mais c'est pas pour rassasier la personne. Je suis rassasié. Si c'est quelqu'un qui est invité chez quelqu'un, d'accord, il est invité, Shabbat. Et disons, c'est un peu des Anglais, ils ont une nourriture un peu spéciale avec des trucs, toutes sortes de couleurs, et lui ça lui plaît pas, mais il l'a vu, ou bien c'est lui qui a commandé le dessert. D'accord ? C'est un Français qui arrive chez un Anglais Shabbat, la nourriture dans l'anglais elle lui plaît pas, mais puisqu'il a emmené sa tarte au citron avec lui, donc il espère que le bar là-bas il va sortir sa tarte au citron ce soir, il va pas nous mettre un dessert qu'il a préparé. Et donc il arrive, il a rien mangé pendant le repas, arrive sa tarte au citron et il s'éclate. Et donc, il s'est rassasié de la tarte au citron. Vadaï, que c'est Bishvili Sa'od, c'est Mahmata Saouda. C'est le plat principal. Il ne va pas faire la bracha. Ni bracha Rishana, ni bracha Harona. Pas shoot. Mais en général, quand on ramène un dessert, ce n'est pas pour se rassasier, c'est le quinoir pour rincer les goûts. Alors, Ma'adin, Teonim bracha lifnehem, ve'en teonim bracha lacharehem. On va faire la bracha avant, mais pas après, comme Rav Huna et Rav Nachman. Rachet, c'est Lefneva. Le'achara Seuda. Maintenant, toute chose qui arrive après le repas, Teunim bracha ben Lifnehem, ben Le'acharehem. Je vous pose la question. Quelque chose qui vient après le repas, il faut faire bracha Rishona, bracha Rishona. Ma Chidouche. Vous savez c'est quoi le Chidouche? Que c'est avant Birkat Hamazon. Mais on vient de dire que les desserts, il ne faut pas faire bracha harona. Non. Là, on parle dans un cas où les gens, ils ont décidé d'arrêter de manger. Où on a vu ça? Il dit Tosfot. A kol dvarim del el ka'e, v'achshav en nanu din ze. D'en minhag shelanu limshoch yadenu minapat klal ad la'achar brikat Hamazon. Le tour, il dit, il vient, il répond sur la ta'ana de Tosfot et il dit yesh se'udot gdolot, dans les mariages. Dans les mariages, on sert le repas et après, ils débarrassent toutes les tables. Ils enlèvent les nappes, ils enlèvent le pain, ils enlèvent tout, ils plient les tables et à la fin, il y a un petit buffet dessert. Il dit le tour, tu dois faire bracha rishona. Bracha Acharona, même si c'est avant Birkat Hamazon. Parce que la Gemara, elle dit,
Les achara seuda, quand ça a été mastiach et tadat mea seuda. C'est-à-dire, tu as terminé le repas. Le repas est terminé. Maintenant, tu as envie de manger un buffet dessert. Te'onim bracha. Ben lifnem, ben acharem. Et même, s'il y a certains mariages où ils vont sortir la nourriture qui leur reste. Ils ont des restes. Ils vont faire un buffet de restes. Ils vont sortir la viande, ils vont sortir le foie, le poisson, tout. Désolé, je vous donne envie. Hein. Vous sortez, ils sortent un buffet de restes. Et j'ai envie de remanger de la viande que j'ai déjà mangée tout à l'heure. Du foie que j'ai déjà mangé tout à l'heure, du poisson que j'ai mangé tout à l'heure. Parce que c'est quelque chose qui vient les achar à Saouda. Comme ça, il dit Rav Papa Ilcheta. Et le Shulchan Aruch, il tranche comme ça aussi. Shulchan Aruch, il dit dans le Siman Kuf Ein Zayin 177, dans le Saïf Aleph, dit le Shulchan Aruch Dvarim Abayim Betoch HaSeouda. Qu'on emmène pendant la Seouda. Imem dvarim abayim machamat a Seouda. Quelque chose qui vient pour être rassasié. Dvarim shederech likbo a Seouda. Kegon basar, dagim, betzim, yerakot, gvina. Encore de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, du fromage, vedaïsa. Afelu ochlam belopat. Même s'il ne mange pas avec le pain directement. Il a fait un motzi au début, il a mangé du pain. Enteunim bracha lifnehem belo laharem. Parce que la bracha du motzi, elle a quitté tout ce qui vient rassasier la personne. Mais si ce sont des choses qui viennent pas en rapport avec les Seoudas, toutes sortes de fruits, il faut faire la bracha de Boré Peretz, parce que Birkat Amazon, ça vient toutes sortes, toutes les choses qui viennent nous rassasier, toutes les choses qu'on se nourrit avec. ודברים הבאים לאחר הסעודה קודם ברכת המזון שהיה מנהג בימי חכמי הגמרא יביאו in habitude à l'époque de la Gemara שבסוף הסעודה היו מושכים את ידיהם מן הפת ישרטו toutes les tables ומסירים אותו וקובעים עצמם לאכול פירות ולשתות. Il n'a pas ramené סעודה גדולה. Il dit בימי הגמרא, רב עובדיה יוסף vient dire de là qu'aujourd'hui même dans les mariages tu vas faire ברכה ראשונה mais pas אחרונה. Je crois qu'il n'a pas ramené. Mais il dit dans un cas à l'époque où il débarrassait tout. Vous savez qu'à l'époque, chacun avait sa petite table. Ce n'est pas des grandes tables. Chacun mangeait avec sa petite table. Et donc, ils enlevaient. Ils étaient en keret ha-shulchan. Ils enlevaient les tables. Aujourd'hui, qui enlève la table du salon après le repas? Il faut vraiment être fort. Quoi. Pour chaque repas, il démonte la table. Bon, il a acheté à Ikea, donc c'est facile à démonter et à remonter. Ça n'existe pas aujourd'hui. Alors donc, Teonim bracha ben lifnehem ben acharem. Aval din ze acharon el no matsui benenu. Shulchan Aruch, ce n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas courant. Les fiches en anu regilim limshoch yadenu minapat. Lui dit comme Tosfot et pas comme le tour. Et machlokedon acharonim. Magen Avraham, etc. et d'autres, il va dire qu'aujourd'hui, même dans un mariage, on a tout terminé, il y a un buffet, etc. On fait la bracha rishona comme tout dessert. Si c'est de la viande, un buffet de reste, on fait ni bracha rishona ni bracha rishona comme un dessert. La fin d'un dessert. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de fruits. On n'a pas parlé ni du mésonote et ni de boisson. Pourquoi? Parce que dans le Alors donc, venons, on résume ce qu'on a vu dans les fruits. Dans les fruits, puisque c'est quelque chose qui vient seulement enlever le goût, c'est sûr qu'il faut faire bracha rishona, boré peri haetz, mais pas bracha rishona, c'est inclus dans Birkat Amazon. Alors d'accord, si on vous ramène un fruit maintenant, à la fin du repas, vous pouvez faire boré peri haetz. Pas oublier de faire boré peri haetz. Maintenant, le mezonot. Le Shulchan Aruch, il nous envoie à Siman Kuf Samechet. Magen Avraham aussi. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Siman Kuf Samechet? Siman Kuf Samechet, on parle de pat haba'a bekisanim. Pas tabam qui s'anime, ça peut être un chiour en soi. On va faire peut-être un chiour sur la pizza. Est-ce qu'une pizza maisonnote, ça existe? À mon avis, non. On verra ça dans le Shulchan Aruch. Mais on a pas tabam qui s'anime. Pas tabam qui s'anime, c'est du pain. Mais sur ce pain-là, on fera maisonnote. Comment c'est possible? Il dit le Shulchan Aruch, trois possibilités.
Ou bien la pâte a été pétrie avec du sucre ou du miel ou du lait, on sent le goût du lait, je rajoute, et on sent le goût du lait. Nikar ta'am khalav. À l'époque, le lait, on sentait le goût du lait. Aujourd'hui, c'est 95% d'eau. Aujourd'hui, on n'a pas la. Presque pas, on ne voit pas la différence entre boire un verre d'eau et boire un verre de lait. On ne connaît pas vraiment le goût du lait. Alors, si la pâte elle a été pétrie avec toutes ces choses-là, mets en note. Ou bien, si la pâte elle a été remplie de toutes sortes d'amandes, etc. Donc, ça fait comme. Vous connaissez les gâteaux, surtout chez les Marocains, et on les met dans le four. Ces pâtes memoulées, mais qui s'iment, mais la chose qui s'anime, c'est dans des poches. Mais en autre. Ou bien une troisième possibilité, pâte uniksas, c'est-à-dire il a été une pâte fine, elle a été mise au four et maintenant elle se craque, des crackers. Mais en autre, même si c'est du pain et normalement on devrait faire à moitié de la chamelle arrête, c'est pas ta bave qui s'anime, quelque chose de différent. Maintenant, quand on ramène à la fin du repas pâte à bave qui s'anime, est-ce que c'est un dessert? Pourquoi on ramène des gâteaux, etc. Alors il y a des gâteaux. Avant que je dise ça. Alors, on ramène des gâteaux en dessert. Est-ce qu'on fait la bracha? A priori, non. Il faut faire mesonat, bracha rishona. Mais, et donc selon ça, chaque dessert, avant la fin du repas, on fera bracha rishona, mais pas bracha farona. Sachez que c'est un grand problème. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch ramène trois avis. Qu'est-ce que c'est, Pata Kisani? Il dit ou ça, ou ça, ou ça. Ou la pâte qui est mélangée, ou la pâte qui est remplie, ou la pâte qui est dure. Par exemple, aujourd'hui, un cake, c'est pâte à la qui s'anime selon seulement une chita qui dit que j'ai mélangé la pâte avec du sucre. Mais ce n'est pas quelque chose qui se craque, ce n'est pas un cracker, ce n'est pas mixas, et ce n'est pas rempli de fruits. Donc selon un cake, c'est pâte à la qui s'anime, c'est mesonote seulement selon une opinion. Selon deux autres opinions, ça serait un motzi. Une matzah, c'est nixas, c'est quelque chose qui se casse, c'est comme un cracker. Un cracker, ça, c'est quelque chose qui se craque. Donc c'est mesonot seulement selon une shita. Mais selon la shita qui dit qu'il faut que ce soit rempli, ou la shita qui dit qu'il faut mélanger avec la pâte, on n'a pas dit que c'est un motzi lechamin haaretz. On a dit qu'il fallait que ce soit les trois. C'est pas... Il n'y a pas besoin d'avoir les trois. Il dit misafek, quand il y a un des trois, misafek, quand il y a un des trois, tu fais mesonot. Maintenant, dans quel cas on a les trois? Est-ce que vous pouvez me trouver un gâteau? La pizza? La pizza, la pizza elle n'est pas nixas. Un soufflé. C'est une pizza recouverte. Toi, tu dis un soufflé, mais elle n'est pas nixas, elle n'est pas dure, elle n'est pas craquante. Si tu la laisses un peu trop. Une gaufrette. Des petites gaufrettes qu'on. La gaufrette, elle est nixas parce que la pâte, elle est dure. Elle craque. Elle est remplie de poches, d'accord, du chocolat à l'intérieur. Et aussi, la pâte elle-même, elle a été mélangée avec du sucre. Donc, il y a une gaufrette et que la gaufrette presque, qu'on peut dire que c'est pâte à la qui s'anime les coulées allemandes. Maintenant, venez, on voit ça à la fin du repas. C'est vrai, comment? Beaucoup de gâteaux orientaux, il y a même problème ici. Les gâteaux orientaux, on peut trouver les trois conditions. On peut avoir les trois conditions d'avoir les cigares, si c'est bien craquant, que ce soit les trois chitotes pour aimer les maisons. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que maintenant, à la fin du repas, même si on dit que c'est un dessert, puisque j'ai fait amotzi au début du repas, et amotzi au début du repas, il m'inclut toutes sortes de pains. Il n'y a pas besoin que ce soit en rapport avec rassasié. Quelque chose qui n'est pas du pain, il faut que ça ait un rapport avec le pain. Mais quelque chose qui est du pain en soi, ça n'a pas besoin d'avoir de rapport. Si je considère le gâteau comme amotzi lechemin haaretz, je ne peux pas refaire mes honneurs, même si c'est pour un dessert. Et donc ici, c'est vrai que de manière générale, quand on m'amène un gâteau, et il a une des trois opinions, misafek, je vais faire mesonot. Mais si j'ai déjà fait amotzi, alors au contraire, misafek, qu'est-ce que je dois faire? Puisque j'ai fait amotzi, et il y a une opinion qui me dit que c'est amotzi, je ne peux pas refaire une bracha. Donc il y a une problématique dans un dessert qui est mesonot. Parce que puisqu'il y a une opinion qui dit que c'est amotzi, c'est inclus dans l'amotzi que j'ai déjà fait. On nous emmène à un dessert, on nous emmène un cake, on nous emmène une tarte. Peut-être. Que c'est amotzi, selon l'opinion que c'est amotzi. Donc ça a été inclus dans la bracha, la première bracha. Donc seulement si on me ramène une gaufrette où il y a les trois chitotes que c'est mesonot, donc c'est pas inclus dans le amotzi, puisque c'est un dessert, je fais mesonot.
Mais tout le reste des desserts, misafak, je ne peux pas faire la bracha. Comment ? Sur le gaufret, on fera la maison, mais pas la mechir. Mais il y a un grand problème, parce que d'un côté, je dois faire mes honneurs, mais d'un autre côté, c'est inclus dans la moti. Donc, c'est un grand problème. C'est vrai que les fruits, il n'y a pas de problème de ramener en dessert, il faut faire boire. Mais les desserts, il y a un grand problème, parce que je rentre dans un safek. Est-ce qu'il faut que je fasse la bracha ou pas? Certaines opinions vont me dire je suis obligé. Certaines opinions vont me dire tu fais une bracha le matin. Donc, emmener un gâteau à la fin du repas, c'est un grand problème. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps que les desserts, c'est après Birkat Hamazon. Quand on termine le repas, on fait Maïm Acharoni, Birkat Hamazon, et après on ramène les desserts. Que ce soit. Et la même chose dans les boissons. Parce que les boissons, quand je ramène un thé, il n'y a pas rapport avec le repas. Mais si j'ai fait chez Akol avant, si j'ai fait Geffen, Potter Kolmine Mashkim. Alors, c'est pas une bracha chez Nasrecha si tu fais après. Ah, maintenant la question elle est. Maintenant, je cause des brachot. À cause de moi, je vais rajouter des brachot qui ne sont pas besoin. Parce que si c'était pendant le repas, je ne fais pas brachot. Maintenant, je l'ai laissé avant moi, je vais devoir faire plusieurs brachot. Quand je fais des brachot pour sortir d'un safek, pour ne pas faire brachot levatala, il n'y a pas de brachot. Donc, les desserts, c'est après le repas, après Birkat Hamazon. Parce que quand c'est avant Birkat Hamazon, on rentre dans des safekot de brachot. Les desserts qui ne sont pas des fruits. Les desserts qui ne sont pas des fruits, d'accord. Mais le mieux, même. Tu veux sortir les kolachitot, même les fruits, parce que tu vas ramener des fruits. Et l'autre, il te dit, qu'est-ce que tu me ramènes une banane? J'ai vu un Paris-Brest dans le frigo. Pourquoi tu ne me ramènes pas ça? Et tu vas manger un fruit, tu ne vas pas boire un thé avec? Tu vas le manger sec? Donc, faites une règle chez vous à la maison, que les desserts, c'est après le repas. C'est une habitude à prendre. Parce qu'on n'a pas l'habitude en général, on termine, on discute, on ramène, et à la fin, parce qu'on n'a pas le choix, on fait même chronique et Birkat Hamazon. C'est vraiment pour faire plaisir. Donc, il faut prendre une habitude de faire les desserts après Birkat Hamazon. Comme ça, on sort de toutes les sphécoles. Et il n'y a pas de bracha shel hatzricha, parce que c'est pour ne pas faire des brachot de matala. Donc, il n'y a pas de bracha shel hatzricha dans ce cas-là. Mais on a tes boissons. Sur les boissons aussi. Est-ce que c'est inclus dans le Geffen ou c'est pas inclus dans le Geffen? On a compris le sujet. On a dit au début que les boissons c'est inclus. C'est pas quand tu bois un thé, pas quand tu bois du coca. À la fin du repas, tu vas ramener un thé. Ça n'a pas rapport avec le repas. Il fait plus partie du repas. Normalement, c'est inclus. Normalement, ta sara elle est bien. Sauf si t'es chinois. Tu peux boire du thé. Maintenant, ça dépend. La personne qui a fait Geffen, qui n'a pas fait Geffen, est-ce qu'il a bu au kidouche ou il n'a pas bu au kidouche? Par exemple, vous savez que le kidouche Shabbat matin, quand on fait kidouche, pas tout le monde boit. Le soir, il y a un minhag que chacun doit boire. Donc, c'est sûr que ça, c'est poter les mashkim. Mais le kidouche le matin, le mekadesh, celui qui fait le kidouche, il boit. Et les autres ne sont pas obligés de boire. Donc maintenant, ils vont boire de l'eau. S'ils vont faire chez Akol, ils disent oui, ils ont entendu boire avec. Ils vont faire chez Akol. Mais s'ils ont bu un petit peu, alors là, non. Donc, dans le cas des desserts, il faut manger les desserts à la fin du repas, c'est-à-dire après Birkat Hamazon. Toutes sortes de desserts. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez fini bracha levatala, ni rien du tout. Juste, on va terminer par un point sur la parashat HaShavua. Parashat HaShavua, parashat Bo. Et en fait, avec cette parashat, on termine les trois dernières plaies. Barad, Arbe, Bechorot. Les deux lettres Bo, c'est trois. La semaine dernière, c'était Vaera, Vav, Aleph, 7. Il y avait 7 la semaine dernière et 3. Pourquoi ça a été séparé en deux parachutes? En général, la Torah, c'est très, très ordonné. On a l'histoire des plaies, Esser Makot, tac, dans une paracha. Pourquoi ici, on a séparé 7 et 3? La Torah elle-même, elle répond à cette question. Il y a marqué, Vayom, Rachem, El Moshe, Bo, El Paro, Kianir, Bati, Et Libo, Bet, Le, Vodav, Le, Man. Pourquoi j'ai renforcé son cœur, Shiti ototai ele, les trois suivantes, Barad, Arbe, Chosheh, Bechorot, les sauterelles, le noir et l'obscurité et le Bechorot, les premiers-nés, et les Bekirbo. Parce que ceux-là, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? Et donc, on comprend pourquoi ça a été mis dans une paracha. C'est-à-dire que toutes les sept plaies d'avant, c'était une préparation aux trois dernières. Arbe, Barad, Bechoron. Les man, Chiti, Ototai, Ele, Bekirbo. La question, elle est, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Celui qui relève cette question-là, ce point-là, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, le Rabbi Chaim Akadosh. Il dit comme ça. Tzarich Ladat. Lama digdek lomar ototai ele. Odomro bekirbo. Qu'est-ce que c'est le man shiti ototai ele bekirbo dans ses entrailles? Et encore une question, il dit Uleman te saper bozne bincha ou bne bincha. Il y a deux buts à ces trois dernières makotes. D'abord, que par on. Ça lui rentre à l'intérieur. Shiti, ototai, ele, bekirbo. Et aussi pour pouvoir raconter à tes enfants et tes petits-enfants toutes les histoires. Et ta chérie, ta alalti, be mitzraïm, et ta totale, chassatiba. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces trois? Écoutez ce qu'il dit le Rochaim Akadosh. Il dit toutes les plaies jusqu'à maintenant. Lo haya ba'em shidud hama'arot. Les sfarim dans ces parachiotes, ils utilisent beaucoup ces notions de shidud hama'arot. C'est quoi shidud hama'arot? Quand je il a fait la nature, il a ordonné, il a fait une ma'arechet. C'est quoi ma'arechet? Un ordre. Et ici, dans les trois dernières makot, il a fait shidud ha-ma'arechot. Il a changé. Jusqu'à maintenant, c'était ça va. Le sang, ça va. Les poux, ça va. Mais ici, shidud ha-ma'arechot, qu'est-ce qu'il y a de spécial? La semaine dernière, on a dit au nom du Kli Yakar que datzar, adash, be'achav, les trois parties, ils sont chacun un but de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu il existe, de montrer à Paro pardon qu'Akadosh Baruch Hu il existe. Akadosh Baruch Hu il existe, il a de la force, il a de l'emprise sur ce monde. Il dit, tu sais, ces trois makot là, ils ont quelque chose de spécial. Ki bechol sheva makot she'avru en bahem akrasha. Il dit, c'est vrai que les sept plaies d'avant prouvent qu'Akadosh Baruch Hu existe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre dieu. On a prouvé son existence, mais on n'a pas exclut d'autres dieux. En ba'em akracha la mishtachave la shemesh, celui qui se prosterne au soleil, qui a dit qu'il n'y a pas de soleil? O la yareach ou à la lune. Gam la sher ite ki bore a ruach et no bore a afar. Il y en a, il va dire, oui, il y en a un qui a créé le vent, il y en a un qui a créé la poussière. Ve hagam sheshalat Hashem al haaretz, bemai vada ki hu bore ruach. C'est vrai que Hashem Baruch Hu, il a créé la terre, mais qui a dit que il fait le vent? Qui a dit c'est lui qui donne la vie? Ou Ayotzer Adam Betzar Tzura, c'est celui qui a créé l'homme. Et donc c'est pour ça qu'il a ramené Arbe, Chosher et Bechorot. Qu'est-ce que c'est? Il dit Arbe, à Hashem Baruch Hu, il a amené avec le vent. Ose Malachav Ruchot, il a fait avec le vent. Ça prouve que Hashem Baruch Hu, c'est lui le patron des vents aussi, pas seulement. Vidartem qui en kamoni bechola arrête, c'est pas seulement la terre, c'est aussi le vent. Il les a amenés et il les a emmenés et ramenés avec le vent. Les aviam vela chaziram. Et aussi, la set et ametim, les balihenu amitsrim. Il y a marqué dans Midrash Tanchuma que Akash Borou, il n'aura même pas laissé les sauterelles mortes, parce que les sauterelles mortes, on pouvait manger. Il ne voulait pas que les Égyptiens profitent. Il leur a pris les métis pour pas qu'ils profitent. Alors, ça, c'est le but de Arbé. Chosher, qui est où Yotzer Ameorot? Akash Borou, il a marqué dans Midrash Rabbah qu'il a été gozer sur le soleil de s'arrêter. C'est pas qu'il y avait du noir, le noir a une emprise sur le soleil. Il y avait aussi la création du noir. Mais il y a eu, le soleil s'est annulé. C'est-à-dire que Akash Borou règne aussi sur le soleil. C'est ce qu'ils ont vu les Égyptiens. Donc il y a le vent et il y a le soleil. Et Makat Bechorot, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il a frappé, ça veut dire qu'il sait exactement où ayotzer tsura betor tsura vemakir tipat abechor. Il sait par le ventre qui, quand il voit quelqu'un, il sait où il était, quel numéro c'est du ventre de sa mère. C'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vegam bem tsaoudzo, par la maka makat bechorot, Kadosh Baruch Hu, il a sanctifié. Teme kadesh kol bechor, kadesh li kol bechor, peter kol rechem ibn Israël. Veyeze les zikaron. Veleze, kshematsa racha ze akashet libo, quand Paro il a vu que
Vraiment, Akash Baruch, c'est le maître total du monde, sur le vent, sur le soleil, et même sur les sur le Yetzirat Adam. Alors là, il a vu Ani Hashem. Il y a Bekirbo, c'est pour ça qu'il a marqué Bekirbo. Parce qu'il s'est rentré à l'intérieur, même dans ses, le Bechor, c'est arrivé juste vraiment à la fin. Ce n'est pas seulement qu'il y a un Dieu comme ça dans ce monde. Et donc c'est afin de ce but-là, c'est la raison pour laquelle Akash Baruch Hu, il a changé les règles de la nature. Parce que si ce n'était pas le but d'arriver à la fin, que par, oh, il est vraiment sûr que par, Akash Baruch Hu, il est, c'est le maître total, exclusif de, du monde, il n'aurait pas changé les mains. Donc on voit ces parashiot, c'est vraiment la base de la Emouna. C'est la base de la base de la Emouna. De voir que chaque maca correspond à quelque chose. Maintenant, on dit au nom du Kli Yakar, chaque plaie, elle a un but. Il y a pas, c'est pas que Baruch Hu, il n'a pas été original. Il a trouvé le sang, c'est rouge, les sauterelles, c'est vert. Chaque chose a une. Parce que chaque maca, elle vient donner. Parce que c'est toutes ces macotes-là, toutes ces plaies, c'est la première fois que Kadosh Baruch Hu se montre aux yeux de tout le monde. Jusqu'à maintenant, c'était devant Abraham, Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, c'est devant tout le monde que Baruch Hu se montre. Et donc, chaque chose qu'Akash Baruch Hu montre, il faut comprendre qu'est-ce que ça vient nous apprendre, qu'est-ce que ça vient nous ramener. Et là, ces trois makotes-là, ils sont les ma'an chiti ototai et les bekirbo, pour le rentrer dans ses entrailles, et aussi les ma'an tesaper bos davidra. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de l'emouna, de raconter à ses enfants et à ses petits-enfants, comme ça dit le Rachaim Akadosh. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. המרחם על כל גביותיו יחוס ויחמוד וירחם על נפש הנשמה של הנפטרת וישבתו מן העולם. ריינה בת סולטנה. ריינה בת סולטנה. דנונה. דנונה. ואת? מזל בת שמחה. ואת? ניסים את שמחה ואת? משמת. מויס כהן. סעדיה כהן. סעדיה כהן. ניסים את שמחה. ואת כל הנפטרים רוח אדוני תנחם בגן עדן אין וחום ודן סלע שובים עמה בכלל נחם וסליחות וכן ירצו ונגמר אמן.